l'audience publique et solennelle prestation de serment et déclaré. À la barre, main droite levée, c'est désormais nouveau magistrat civil, prêtre serment, devant la chambre du tribunal des grandes instances de Colouisie. Et respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Pesa Mouéou, présidente de la composition, prend acte de cette prestation de serment. Tant confié. Le tribunal donne acte de votre prestation de serment et vous présente ses sincères félicitations. Au total, 86 magistrats sont affectés au parquet des grandes instances de Colouisie en qualité des substituts, le procureur de la République. A dans ses réquisitions revenu sur les circonstances et en précédé la nomination des impétrants. Dans les soucis de pallier à l'épineuse question de la carence des magistrats qui a caractérisé notre pays pendant plusieurs décennies, à l'issue du concours de recrutement des magistrats, organisé par le Conseil supérieur de la magistrature en date du 9 octobre 2023 sur l'ensemble du territoire national, le président de la République, chef de l'État, a signé l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/071 du 6 juin 2023 portant nomination des magistrats civils du ministère public baptisé de magistrats de l'État de droit. Il a par la suite invité les nouveaux magistrats à être des lumières de la société. Les magistrats que nous sommes, nous occupons une place importante dans le cœur de Dieu. Nous sommes des mandataires de Dieu ici-bas. Nous avons reçu mandat pour juger nos semblables, restaurer la paix, maintenir la stabilité et l'ordre dans la société. Ce samedi 17 février sera les tours des nouveaux avocats inscrits au barreau du Lualaba de prêter aussi leur premier serment statutaire.